Un tunnel de plus de 300 mètres de long, 5 mois pour le creuser et près de 500 détenus dans la nature. Voilà les ingrédients de l'audacieuse évasion menée par les insurgés en Afghanistan. Des centaines de talibans se sont échappés de cette prison de Kandahar par un tunnel avant d'être récupérés par des voitures. L'opération a pris 4 heures au nez et à la barbe des responsables de la sécurité. Mais des gardiens ont sans doute été complices. Cette prison est censée être la plus sûre du pays. Mais Kandahar, c'est le berceau des talibans. L'insurrection y est féroce. En juin 2008, le pénitencier avait déjà été le théâtre d'une spectaculaire évasion. Les talibans avaient fait sauter la porte et libéré un millier de détenus. L'évasion de hier est un revers pour Kaboul et pour les forces américaines qui espèrent entamer leur retrait d'Afghanistan dans les prochains mois.